Nanny, le royaume arc-en-ciel a l'air différent aujourd'hui. Bonjour Barbie. Je suis heureuse de te voir, Chelsea. Nous avons un gros problème. Je me disais bien que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il? C'est la couleur verte, elle disparaît petit à petit. Regarde cet arc-en-ciel. Et là-bas? Oh non! Chelsea, je vais avoir besoin de ta formidable imagination pour m'aider à résoudre ce problème. Je vais t'aider. Avec Oni, nous irons interroger les habitants. Ils sauront peut-être quelque chose. Je savais que je pourrais compter sur toi. Oh non! Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas trop. C'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire? Chelsea, es-tu au courant? Oh non! Toi aussi, princesse verte? Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour moi. Bien sûr que si, tu perds ta couleur. Nous allons trouver une solution. L'une d'entre vous aurait-elle une idée? Moi, je pense que nous devrions trouver la source du problème. Mais la princesse bleue pense... Je peux lui dire moi-même ce que je pense, princesse jaune, merci. Je pense que nous devrions demander aux poissons chantants s'ils savent quelque chose. Et moi, je pense que ça ne nous sera d'aucune utilité. Je vous signale que je perds ma couleur. Il faut se dépêcher, vous ne croyez pas? Oui, tu as raison. Nous devrions aller parler aux poissons chantants. Ils nous aideront peut-être. Nous chantons en cœur des airs mélodieux. Le vert n'est pas notre couleur, la mer est bleue. Désolée. Je l'avais dit, je suis sûre qu'un autre ami du royaume arc-en-ciel aura une idée. Ce n'est pas grave, ça valait la peine d'essayer. Merci pour votre réponse et gardez vos yeux et vos nageoires ouverts. Il doit forcément y avoir quelqu'un capable d'expliquer tout ce qu'il se passe au royaume arc-en-ciel. Je sais à qui il faut s'adresser, Chelsea. Les sirènes. Et donc, il faut absolument qu'on sache pourquoi la couleur verte disparaît. Vous pouvez utiliser les nageoires bavardes pour transmettre le message au royaume tout entier? Mais, princesse jaune, nous n'avons pas le temps pour faire ça. Mais, qu'est-ce que c'est? C'est notre façon d'envoyer des messages. Nous pouvons envoyer un message pour demander si quelqu'un a une idée de ce qui se passe. Je pense toujours que ça ne fonctionnera pas. Laissez-les essayer. Il faut le tenter. Oui, faites tout ce que vous pouvez. Tu sais, nos nageoires ne font pas que délivrer des messages. Elles détectent aussi les mauvaises vibrations quand les personnes sont fâchées. Comme ces deux-là. J'ai remarqué qu'elles étaient fâchées. Tout allait très bien entre elles hier. Mais je ne comprends pas. Depuis ce matin, l'ambiance est devenue très différente dans le royaume. Les nageoires bavardes, c'est une excellente idée. Merci pour votre aide, les sirènes. Oh, mais de rien, reine arc-en-ciel. Nous vous dirons quand nous aurons une réponse. L'une d'entre vous a-t-elle remarqué à quel moment la princesse verte a commencé à perdre sa couleur? C'était après le petit déjeuner. Quand on jouait à la corde à sauter arc-en-ciel. Et que princesse jaune n'arrêtait pas de prendre ma place. Vous pouvez dire à princesse bleue, puisque dorénavant je ne lui adresse plus la parole, que c'est elle qui n'arrêtait pas de me prendre ma place. Et puisque moi non plus, je n'adresse plus la parole à princesse jaune, vous pouvez lui dire qu'elle se trompe complètement. C'est tellement triste, elles étaient les meilleures amies avant. Je crois que je sais ce qu'il s'est passé. Ici, dans le royaume arc-en-ciel, l'amitié et l'harmonie sont des choses importantes. Mais depuis que les princesses jaunes et bleues sont fâchées, la princesse verte et toute la couleur verte du royaume s'effacent peu à peu. Parce que quand nous mélangeons les couleurs, le bleu et le jaune donnent du vert. Oh! Il vous suffit simplement de vous réconcilier et la couleur verte réapparaîtra. J'en suis sûre et certaine. Chelsea, nous apprécions vraiment tes efforts. Nous connaissons très bien les couleurs et je ne pense pas que ça fonctionnera. Il n'y a aucune chance. Faisons une pause et allons nous amuser un peu. Maintenant, je veux dire, est-ce le bon moment? C'est le moment idéal pour jouer à la corde à sauter arc-en-ciel. Princesse Orange et Rose, vous voulez bien tenir la corde arc-en-ciel, s'il vous plaît? Et maintenant, je vais appeler nos deux premières joueuses, Princesse Jaune et Bleue. Très bien. Faites tourner la corde arc-en-ciel. Maintenant, nous pouvons jouer. Vous sauterez quand je vous appellerai. 4, 3, 2, Princesse Jaune et Princesse Bleue. Vous en sortez très bien, c'est super. Regardez la princesse verte. Préparez-vous à sortir du jeu dans 3, 2, 1. J'ai trouvé ça très...
souviens même plus pourquoi nous étions fâchés. Oh! J'ai retrouvé ma couleur. Oh! Câlin de groupe! Oh! Tu avais raison, Chelsea. Être en harmonie était bel et bien la solution. Nous avons besoin de toutes les couleurs dans le royaume. Je crois que nous devons encore nous faire des câlins. C'est moi qui devrais contrôler toutes les couleurs de ce royaume quand je l'aurai décidé. Excuse-moi, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Es-tu un véritable prince? Arrête, ça n'a aucune importance. Mais oui, c'est vraiment vrai, elle a raison. Ah ah! Disputez-vous! Pendant ce temps, moi, je vais récupérer ma pierre magique. Oh non, pas question! Allez, Jessie, allez! Ce n'est pas juste, quelqu'un devrait encourager le prince. Non! Pas de dispute, princesse. Nous devons faire équipe pour aider Chelsea à retrouver la pierre. Vite, quels sont les pouvoirs de vos couleurs? L'amitié. Le courage. L'honnêteté. La gentillesse. Le rire. La confiance. La générosité. Et ensemble, vous êtes un arc-en-ciel. Tu ne m'attraperas pas! Je suis trop agile et trop malin. Et trop lent. Oh! Bonjour. Venez. Pour cette fois. Nous avons eu peur. Très très peur. Affreusement peur. Entièrement d'accord. Par le pouvoir du royaume arc-en-ciel, j'ai la joie de te couronner reine arc-en-ciel. Bravo! Oui! Merci, merci à toutes. Quelle équipe! Au revoir les sirènes. Au revoir les princesses. Nous nous reverrons bientôt. Faites de beaux rêves. C'est un rêve d'ici. Je sais que tu aimes la limonade, mais garde une petite place. Parce que dans quelques instants, nous serons au royaume des bonbons. Waouh! Je me demande ce qui se passe. La grande fête des inventions du royaume des bonbons. Au cours de laquelle nous montrerons toutes nos nouveautés et nos créations. Tout le monde a le droit de participer. Il faut que j'y aille, c'est de l'autre côté de la rivière. Attends! Où ça? Dans la forêt des arbres suspects, bien sûr. Barbie! Bonjour, Annie. Bonjour, Chelsea. Fais bonbon! Venez vite! Le pont sucrerie est brisé. Dans le pont, nous n'arriverons jamais à la forêt des arbres sucettes. Ce qui veut dire que la grande fête des inventions n'aura pas lieu. Il va nous falloir des jours pour reconstruire le pont des sucreries. Nous devons résoudre ce problème d'une façon créative. Qui a une idée? Pas la moindre. Moi, j'ai une idée. Attends, tu ne serais pas... Capitaine Rouleau de Réglisse, résident de longue date du royaume des bonbons. Je sais exactement comment faire pour traverser la rivière. Il suffit de la boire entièrement et de passer à pied. Malheureusement, c'est trop de limonade pour un seul village, mais c'était une bonne idée. Oh, j'ai mal au ventre. Tu n'es pas le capitaine Rouleau de Réglisse. Non, je suis le prince Noto. Et c'est moi qui ai détruit ce pont. Pour que la grande fête des inventions n'ait pas lieu. Jamais! Prince Noto, pourquoi ne veux-tu pas que la grande fête des inventions ait lieu? Parce que,
Et si tout le monde se moque de mes inventions pendant la fête? Je comprends ce que tu ressens. Un jour, j'ai fait des cupcakes pour une fête, mais ils avaient tous des formes bizarres. Ha! Ça n'a vraiment rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dit qu'ils avaient très bon goût. Et vous venez de me donner une idée. Quelle idée délicieuse, fée bonbon! Merci beaucoup, mais les idées peuvent venir de partout et plus important encore, de tout le monde. En fait, aucune idée n'est vraiment mauvaise. Mais, et si ça ne marche pas? C'était amusant d'essayer. Qui veut monter en premier sur le cupcake trampoline? Tu peux y arriver! Je suis dans la forêt arbre sucette! Ça a marché! Reviens vite nous rendre visite. C'est promis. Au revoir les chamallows, les oursins à la fraise et les lapins au chocolat. Au revoir, Ponce Toto. Fais de beaux rêves. C'est un rêve d'ici. Une vraie carte au trésor? Oui, elle a été faite par la princesse du prisme. C'était un des tout premiers sujets du royaume arc-en-ciel. Regarde, c'est elle. Elle a caché un trésor quelque part dans le royaume et elle a laissé cette carte avec tous les indices. Et personne ne l'a jamais trouvée? Non, mais je me suis dit que nous pourrions le chercher. Les indices sont des devinettes. Vraiment? J'adore les devinettes. Je savais que ça te plairait. Très bien, voici la première. Si trouver le trésor est dans ton intention, commence avec une queue comme un poisson. Je pense que la princesse du prisme veut que nous devenions des sirènes. Alors le trésor doit se trouver quelque part dans les mers arc-en-ciel. Allons-y. Regarde. Maintenant, elle indique un coquillage géant. Et il y a une autre devinette à côté du coquillage. Si le trésor vous fait envie, faites une sieste dans ce lit. Quel genre de lit trouve-t-on dans la mer? Oni, reviens! Elle est là! Suivons son tuba! Hé, je connais ce rire! Bonjour Chelsea! Bonjour Princesse Arc-en-Ciel! Oni, tu l'as trouvé! Nous sommes à la recherche du trésor caché de la princesse du prisme. Oh, c'est vrai? J'ai toujours eu envie de le trouver. Je peux vous aider? Bien sûr, tout le monde est le bienvenu pour une chasse au trésor. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Mais comment allons-nous faire pour ouvrir ce coquillage? Oh, rien de plus facile. Regardez. Gilly, gilly, gilly. Gilly, 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 gilly. Des perles géantes? Attendez, on dirait que les perles forment quelque chose. C'est un dessin. C'est forcément un indice. Ça ressemble à une tranche de pain de mie. Oui, c'est ça, Chelsea. Et là, c'est de la gelée aux fruits. C'est un indice très amusant. Un poisson? Alors nous cherchons un poisson en gelée. C'est peut-être les méduses! Mais je n'ai aucune idée de l'endroit où vivent les méduses. Dans les gorges des méduses! Elles sont là sur la carte! Mettons-nous en route! Bienvenue dans les gorges des méduses. Je ne pensais pas que ce serait aussi sombre ici. Chelsea, regarde la carte. Y a-t-il un autre indice? Oui, il est là. C'est écrit, si c'est le trésor que vous désirez, sous l'arche vous devrez passer. Si vous craignez l'obscurité, des guides de lumière sont tout prêts. Je ne vois aucune lumière. Elle voulait peut-être parler des méduses? Elles sont bioluminescentes. Ça veut dire que ce sont des êtres vivants qui émettent de la lumière. Mais je me demande où elles peuvent bien être. Hé, il y a une arche. Et il y a aussi de la lumière. Je vous parie que les méduses se trouvent de l'autre côté. Suivez-moi. Thank you.
Wow! Nous ne risquons rien si nous touchons ces méduses. Elles sont magiques. Wow! C'est super! Venez, elles vont nous guider de l'autre côté. Il fait trop sombre là-bas. Nous devons absolument la rattraper. Nous la rattraperons. Orange, essaie de trouver tes amis. J'appelle toutes les petites princesses. Nous avons une urgence arc-en-ciel. Quoi? Nous sommes là-bas. Oni est là-bas. Vite, il faut qu'on se dépêche. Je ne vois absolument rien. Oni! Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que nous ne sommes pas très loin de l'emplacement du trésor. Oh, Barbie! Oh, ça y est! Je me demande par quoi j'étais coincée. C'est vraiment magnifique! Wow, splendide! On dirait une reproduction miniature du palais arc-en-ciel. Chelsea, je crois bien que ta queue de sirène a trouvé le trésor. Oui! Nous devrions le ramener au palais. Une dernière devinette. Pour atteindre le trésor tant convoité, laissez l'amour vous guider. Ouvrez tous votre cœur pour pouvoir partager le bonheur. Nous allons pousser toutes ensemble. 1, 2, 3. À toi l'honneur. Waouh, c'est magnifique. Mais ça semblait tellement petit. Comment est-ce possible? C'est magique. Nous pourrons venir ici toutes ensemble, chaque fois qu'on en aura envie. C'est le plus beau trésor qui puisse exister.